晚安，有见见那那样我 premium de sin You guide me, you protected me You lead me everywhere I goIl a dit lui, Satan, qu'il est rusé. Georges Lama, demandez-lui. Georges Lama, il a dit qu'il est sorti de la franc-maçonnerie. Je l'ai dans mes mains. Il m'appartient. Mais le jour où Georges Lama veut connaître la vérité, la même nuit, je vais le tuer. Parce que la première chose, Georges Lama ne va jamais dire que Jésus-Christ est Dieu. Si Georges Lama dit un jour que Jésus-Christ est Dieu, alors moi, je ne suis pas Satan. J'ai pris...Les anges de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ le regardait. Georges Lama m'appartient. Georges Lama m'appartient. Le jour où Georges Lama va croire que Jésus-Christ est Dieu, mais si on le lit aussi, Ésaïe 9, verset 5, il va dire à Georges Lama que c'est faux. C'est faux. Parce que Georges Lama, son cœur est dans ma main. Sa pensée est dans ma main. Il l'utilise, Satan l'utilise comme on commande les choses. C'est comme ça que Georges Lama est dans sa main. Qu'il a mis son esprit en lui. Il l'utilise comme on joue les games. On joue les trottinelles. Que de voir Georges Lama, il dénonce les faux. Il ne va jamais dénoncer les vrais. C'est moi qui l'utilise. Les Camerounais. C'est moi qui attrape les Camerounais. J'ai mis cet esprit dans les Camerounais. Nous, à part nous, il n'y a personne. J'ai capturé les Camerounais avec l'esprit là.Je mets en main le non-respect dans les Camerounais. Oui, c'est moi qui a endurci le cœur de Georges Lama. Donner la dîme, il ne va jamais croire. C'est de l'escroquerie pour lui. Bientôt, je suis en train de préparer Georges Lama. Satan le dit qu'il est en train de préparer Georges Lama, qui va se réveiller. Il va nous insulter. Moi et le juste là. Il va faire en telle sorte que Georges Lama, qu'il est en train de préparer Georges Lama.Il a mis ses agents autour de lui. Ses démons incarnés sont autour de lui. Il travaille avec lui. Il lui donne des informations, des fausses informations. Tout juste pour semer du désordre, la confusion, la haine, la jalousie dans les gens. Alors, il lui donne des informations. La manière dont il va parler de moi, il est en train de le préparer.Que Georges Lama ne va jamais croire que la Bible fonctionne. Jamais. Alors, ce n'est pas lui, Satan. Même si Jésus a dit, là, Luc 16, Satan est en train de parler avec la parole de Dieu. Que Jésus lui-même a dit dans Luc 16, verset 26, que d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudront passer d'ici vers vous ou de là vers nous,ne puisse le faire. Que le juste là même dit que la Bible existe, qu'il ne va jamais permettre, lui Satan, que Georges Lama va croire que si quelqu'un meurt, il va aller en abîme et les démons vont le maltraiter. Jamais. Le jour où Georges Lama va croire, alors ce n'est pas lui qui est Satan. Que lui, le juste là lui-même le connaît, que le jour où Georges Lama va croire que la Bible fonctionne, hey, que ce n'est pas lui Satan. QueJésus lui-même a dit dans Luc 16, votre Seigneur, le juste là, a dit dans Luc 16, 26, 24, 26, que le riche cria dans cette flamme, dans l'abîme, que Georges Lama ne va jamais croire qu'il est un Georges Lama. Il va l'utiliser. C'est lui-même qui l'utilise. Des fois, il ment au nom des gens, il lui donne des fausses informations et il est content.Et lui aussi le partage. Et tous ceux qui reçoivent son message l'appartiennent. Qu'il a attrapé beaucoup de choses au travers de Georges Lama. Georges Lama ne va jamais croire que la Bible fonctionne, que Jésus-Christ est Dieu. Georges Lama ne va jamais croire que donner la dîme est bon. Aïe! Jamais. Alors, ça, il n'est pas Satan. Ce n'est pas lui Satan. Georges Lama va croire que dire que celui-ci est injuste, qu'il est un homme de Dieu, écoutez-le. Jamais. Alors, ce n'est pas lui qui est Satan.Il est orgueilleux. Proverbe 16, 18. Il a mis ça en Georges Lama. C'est nous, c'est moi qui suis bon. C'est moi qui suis en lui. Qui lui parle. Il a fait de le surveiller de tout près. Un
est quelqu'un que le Seigneur veut utiliser, il va passer par lui pour le casser, pour le minimiser. Est-ce que vous me connaissez, Satan? Savez-vous que c'est lui qui est Satan? Je l'ai possédé. Surtout les Camerounaises, j'ai endurci leur cœur. Les Camerounais, les Camerounaises qui veulent adorer Dieu, ils les attrapent. Que c'est eux, à part eux, il n'y a personne. Alors ils se tiennent sur ça. Alors tous les Camerounais qui reçoivent la parole de Dieu au travers les Pères de Nation, je ne sais par quel moyen je vais passer pour les casser au travers Jean Genaman. Père de Nation. Et ce juste-là, eux-mêmes, ils vont témoigner. Moi, Satan, il y a quoi? Demandez tous ceux qui sont saints, qui reçoivent le bénédiction de la sainteté, dans tout le monde entier, exactement. Ils travaillent pour moi. Eux, les démons, qui s'appellent la Légion, ce sont eux qui ont possédé Georges Naman, qui ne va jamais croire à l'abîme, à l'enfer. Parce que eux, ils ont demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ de ne pas les envoyer dans l'abîme. Alors, Georges Naman ne va jamais croire que l'abîme existe. Ils ne vont jamais permettre à Georges Naman de croire que l'abîme existe. Luc 16, verset 26. Luc 16, verset 26. Et il a dit que d'ailleurs, il y a un abîme entre vous et nous, afin que ceux qui voudront passer d'ici vers vous, au-delà, vers nous, ne puissent le faire. Ne puissent le faire. Ils ne vont jamais permettre que Georges Naman croit que l'abîme fonctionne. Que l'abîme engloutit les gens. C'est eux qui ont possédé les gens dans l'Ancien Testament qui se revoltaient contre Dieu, contre Moïse et la terre les avalait. Et ils amenaient directement les gens en enfer, dans l'abîme pour les torturer, pour les maltraiter là-bas. Ils ne vont jamais permettre à Georges Naman de croire que la Bible fonctionne. Il ne faut jamais le permettre de croire. Ceux qui vont croire, ils vont les utiliser. C'est eux qui ont possédé les témoins de Jéhovah. C'est eux qui ont possédé aussi Georges Naman. Ce sont eux. Ce sont eux, les esprits qui sont dans Matthieu 12, 43. Ce sont eux, les démons qui sont dans Matthieu 12, 43, 45. Ce sont eux qui ont possédé ceux qui ne croyaient pas. Le Père de Nation, ce sont eux qui les ont possédés. La manière dont ils ont possédé Georges Naman, ils ne vont jamais croire que la Bible fonctionne. Que les gens, s'ils si veulent aller au ciel, s'ils si vont en enfer, ils ont possédé Georges Naman. Même les enfants de Dieu qui sont des élus, ils ont possédé ces gens au travers Georges Naman. Dans Actes 7, 51 à 60, la manière dont eux, ils ont tué Étienne, les démons, ils ont tué Étienne, ce sont eux, ces mêmes démons qui fonctionnent. Eux qui travaillent maintenant sont plus puissants que ces démons qui ont tué Étienne. Maintenant, la tutelle est plus encore élevée, plus encore forte. Ils ont envoyé les signes de la facilité. Ils passent par ces choses pour attraper les hommes de Dieu au travers de la théologie, les écoles bibliques. Les écoles bibliques, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, mais c'est nous qui avons mis ça en place pour former les gens, les écoles bibliques. Ce sont tous les démons qui ont mis ça en place. Ils ont attrapé les pasteurs au travers de ces trucs-là. Ils ne vont jamais se repentir. Ils avaient travaillé, mais maintenant, au temps de Jésus, maintenant, à ce temps, ils ont travaillé très fort. Ils ont attrapé le monde entier. Et ceux qui n'ont pas les fruits de l'esprit en eux, ils sont venus les remplir. Ceux qui vont manquer un fruit de l'esprit, ce sont eux qui les possèdent, ils vont les amener en enfer. S'ils le possèdent, ils ferment leurs yeux, leurs oreilles avec la fonte, qu'ils ne vont jamais croire. Ils ont fermé les ports, ils ont fermé les ports, afin que la parole de Dieu ne peut pas rentrer en eux. Ils ont tout fermé pour qu'ils ne se repentent pas. Ce sont tous ces démons. Et ils sont très fiers. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, mais ces enfants, il va les sauver. Ces enfants, pour qui il est venu mourir, il va les sauver. Il va les sauver. Alors, ce sont seulement les gens de la perdition qui vont mourir. Ce qu'il a dit dans Jean 26, 30, qu'il va sauver ses enfants au travers des pères de la nation, il va les sauver au travers des pères de la nation. Et les démons disent que ce sont eux qui ont mis l'orgueil, le doute dans les gens. Ceux
qui Dieu veut sauver au travers des pères des nations, ils mettent le doute, l'orgueil. S'ils doutent et s'ils continuent à demander quelque chose à Dieu, et ils refusent et ils reprennent ce que Dieu les envoie. Dans les 24 heures, 12 heures, 24 heures, 2 heures et demie, 5 heures, 1 heure, toutes ces expériences que Dieu a faites, ils connaissent ces choses, ils voient ces choses dans l'esprit. Et je suis se prépare pour attaquer les gens. Que ils aussi vont continuer à quoi attraper les gens. Qu'ils le savent. Ils vont toujours attraper les gens. L'affaire des dîmes que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ils ne vont permettre pas à ce que les gens le fassent. Les prémices, ce sont eux qui ont mis en vie dans les gens. Et toi, tu vas accepter donner ta dîme au Père des Nations. Est-ce que tu es fou, tu es con? Ils ne veulent jamais permettre à ce que les gens le fassent. Les offrandes, les prémices. Ah, tu auras fait, ce sont eux qui ont fait ça. Les démons disent que dans Ézéchiel 34, qu'il aura un seul berger, que tout le monde viendra, qu'ils ont mis dans la pensée des gens que c'est faux, que cela ne peut pas s'accomplir, que c'est du mensonge, que cela n'arrivera jamais. Alors, si la personne doute, eux viennent pour céder la personne en masse. Ce que le Père des Nations est en train de dire, et il est en train de dire, ils sont en train de dire aux gens qu'il est en train de chercher l'argent. Ils viennent pour céder ces gens. Qu'il est escroc, voleur. Comment est-ce que lui va dire que tout le monde va amener leurs prémices, leurs offrandes, leurs dîmes? Alors, c'est un démon, c'est un escroc. Et si les gens le croient, alors ils viennent pour céder les gens et les amener en affaire, les détruire. Et c'est au travers de cela qu'ils ont passé. Ils savent que la femme de Georges Naman est du ciel. Mais ils ont passé par Georges Naman pour l'attraper. Ils ont passé par Georges Naman pour avoir la femme de Georges Naman. Mais elle s'en va, elle revient. Elle s'en va, elle revient. Mais comme elle est liée avec Georges Naman, ils ne vont jamais permettre qu'elle se repente parce qu'elles sont une chair. Elle doit se soumettre. Si elle se soumet à Georges Naman et suit Georges Naman, ils vont la détruire, l'amener aussi en enfer. Que ceux qui veulent aller au ciel, ça leur fait mal. Ils détestent ceux qui veulent aller au ciel. C'est eux qui possèdent Georges Naman. Ceux qui font des magiques et ceux qui font des miracles vrais, Georges Naman dénonce les faux et même il appelle aussi ceux qui sont vrais aux faux. C'est eux qui donnent les informations à Georges Naman. Ils lui donnent toutes les informations afin que les gens, en entendant ces choses, soient confus et ne vont plus considérer les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Et au travers de ceci, il va conduire ces gens en enfer. Que Georges Naman ne va jamais dénoncer un homme qui est vrai. Georges Naman ne va jamais dénoncer quelqu'un qui est vrai. Ils ne vont jamais permettre à Georges Naman de dénoncer un vrai homme de Dieu. Suivez-le, car c'est lui que Dieu a un. Le jour où Georges Naman va dire ceci, lui, Satan va se repentir. C'est moi. Il a l'esprit là en lui. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que Georges Naman, qu'il sache que l'accusateur, l'esprit de l'accusateur qui est en son père, Satan, est en lui. Si lui, il est en train de dire aux gens de fuir le Père des Nations, de le fuir comme la mort, alors lui, Georges Naman et tous ses descendants, ils sont plus que la mort. Si lui dit aux gens que la Bible n'existe pas, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que donner la dîme, c'est pas bon, lui, son cas, c'est plus pire que la mort. La manière dont les gens doivent fuir Georges Naman et ses descendants, si je veux les dire, ils vont détester, haïr Georges Naman. Mais comme eux aussi, ils aiment la mort, ils aiment l'enfer, qu'ils continuent à suivre Georges Naman. Toutes les accusations de Satan, Satan a passé partout pour lui envoyer des faux renseignements, des fausses accusations. Alors, Georges Naman fait la volonté de son père. Comme il est écrit dans Jean 22, verset 25, que les miracles que Jésus-Christ a fait, ce qu'on n'a pas écrit dans la Bible, si on veut les écrire, on ne peut pas supporter la Bible. On ne peut pas porter la Bible. C'est de la même manière que les accusations que Satan va donner à Georges Naman sont de la sorte, sont incontables. Les accusations de Satan envers Georges Naman, si on prend même tous les armes du ciel, si on les compte, les accusations de Satan envers Georges Naman seraient plus nombreux.
Les accusations des gens de Naaman sont plus nombreuses que les arbres dans le monde entier. Ces accusations sont plus nombreuses, que les herbes. Les pièges que Satan lui a donné, il est tombé dans ces pièges. Ces accusations que le diable va lui donner sont plus nombreux que les herbes. Alors eux, les Camerounais, l'esprit qui est derrière eux, le maraboutage, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, l'esprit de la sirène des eaux, les esprits d'envie, orgueil, esprit d'arrogance, c'est ça qui possède les Camerounais. Alors, ces accusations lui attendent. Georges Namé et tous ses descendants, et tous ceux qui l'écoutent, toutes ces accusations les attendent, tous ceux qui le suivent. Jésus dit qu'il les attend à la porte, parce que eux, les Camerounais, ils se repentent en enfer. Tous les Camerounais que Satan arrête, ils meurent avant de se repentir en enfer. Georges Namé, la sagesse de Georges Namé est une folie devant Dieu. La sagesse de Georges Namé et ceux qui l'entourent, les démons qui l'entourent, leur sagesse, c'est une folie devant Dieu. Et la parole de Dieu aussi est une folie devant Georges Namé. La parole de Dieu est une folie devant Georges Namé. Alors Jésus-Christ est en train de dire que Georges Namé, tout ce qu'il est en train de dire, et les gens l'écoutent, eux aussi vont périr comme Georges Namé. Tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui le suivent. Parce que Satan qui a incarné Georges Namé, Satan qui a incarné Georges Namé, tout le péché que Satan a fait, c'est ça qu'il a mis en Georges Namé. Parce que si on veut compter ses péchés, les péchés que Georges Namé a fait sur cette terre avant de mourir, est assez nombreux, plus même que les arbres, les herbes sur cette terre, les poissons sur cette terre. C'est écrit dans Jean 22, 25, que les miracles que Jésus-Christ a fait, si on veut les écrire, même le monde entier ne peut pas le contenir. C'est la sorte que Georges Namé, ses péchés sont. Les péchés de Georges Namé, avec lesquels Satan l'accuse, le monde entier ne peut pas le supporter. Et ceux qui l'écoutent, tous les péchés que Georges Namé a commis, et ceux qui le croient, ceux qui le suivent, c'est la sorte. Et Satan aussi les attend. Ces péchés les attend. Et Georges Namé, il ne peut jamais se repentir. Parce que les Camerounais sont possédés par l'esprit d'orgueil, l'esprit de marmot, l'esprit d'envie, l'esprit de moi ou personne, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la sagesse, de folie. Ces démons sont en eux. Les Camerounais, alors, lui, il a dit dans Matthieu 11, 25 à 26 que tout ce qu'il est en train de le montrer au Père des Nations, il a caché aux sages, ceux qui se disent sages et les intelligents, il les a cachés, il leur a caché ceci et il les a révélés aux petits enfants qui sont humbles et il les a révélés à ceux qui vont croire à ce que le Père des Nations est en train de dire. Mais ceux qui se disent non, qui sont plus grands que le ciel, ne peuvent pas venir au ciel. Il est plus grand que Jésus. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Lui, il est plus grand que tout le monde. Il parle de lui-même. Il parle de son propre fond. C'est un accusateur, un fils de diable. Il accuse les gens. Il dénonce les faux, comme lui-même les faux. Il ne croit même pas que Jésus est Dieu. Georges Namé ne croit pas qu'on doit payer la dîme. Il ne croit pas. Il ne croit pas aux révélations de Jésus-Christ. Il ne croit pas dans ce qui est écrit dans Actes 2, verset 17. Il ne va jamais croire les Camerounais qui sont sur cette terre que Satan a attrapé. Il meurt d'abord avant de se repentir en enfer. Alors Satan, l'esprit de Satan est en eux. Alors ceux qui sont Camerounais, qui savent qu'il est venu mourir pour eux, si M. Georges Namé arrive en affaire, il ne va même pas les écouter parce qu'ils l'ont rejeté. Lui aussi va les rejeter. Si Georges Namé dit que il dit aux gens de fuir le Père des Nations plus que l'avant, Georges Namé lui-même et sa génération, c'est eux que les gens doivent fuir. Jésus-Christ TV, qui est en Antichrist TV, les gens doivent fuir Georges Namé et sa télévision. Il veut amener le monde entier en enfer, comme le diable
veut le faire. Alors, il a signé l'alliance avec le diable dans la franc-maçonnerie et veut amener les gens en enfer. Il n'a pas eu sa délivrance. Personne ne l'a délivré de la franc-maçonnerie. Alors, son papa le diable qui l'a délivré. Et les Camerounais, les enfants de Jésus-Christ, qui n'acceptent pas que l'esprit de Cameroun, l'esprit territorial camerounais, les remplisse. Il ne faut pas qu'ils acceptent que ces esprits les possèdent. Les esprits qui ont possédé Georges Naman, que ces enfants qui sont camerounais, de ne pas suivre Georges Naman, que ces esprits ne les possèdent pas. Jésus-Christ demande à Georges Naman, est-ce que le ciel existe? Est-ce que le paradis existe? Si le paradis existe, est-ce que c'est tous qui vont au paradis? Si tous ne vont pas au paradis, où vont les restes? Ce que je vais le dire de la part du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit ceci à Georges Naman, que de savoir que le ciel existe. Et ceux qui sont dans Luc 23, 40 à 41, celui qui était à sa gauche m'a dit de me sauver moi-même et de les sauver. Moi, Jésus-Christ, de sauver et de les sauver. Quand il était mort, il est parti en abîme, en enfer. Mais celui qui était à sa droite, lui l'a dit, ne crains-tu pas Dieu? Qu'est-ce que Jésus a fait? L'homme a reconnu que Jésus-Christ est Dieu. Ne crains-tu pas Dieu? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait et qui est comme péché? Mais nous n'avons péché contre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu arrives dans ton royaume. Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus-Christ n'a pas dit que tu seras avec lui quand la trompette va sonner. Qui se souvient dans Juges 9, quand Moïse était mort, Satan était venu pour réclamer le corps de Moïse. Pour amener où? Georges Naman, pour amener où? Satan venait réclamer le corps de Moïse pour amener ça où? L'ange Michel était venu pour prendre le corps de Moïse pour l'amener où? Et aujourd'hui, où est Moïse? Moïse est au ciel. Si vous lisez Matthieu 17, verset 1 à 2, Élie et Moïse sont venus me fortifier. Élie, Abraham est au ciel et ses descendants sont à son sein. Le riche qui est mort, il est en enfer. Lazare est au sein avec Abraham. Le riche là qui a vécu cette vie est en enfer. C'est lui, Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Et lui, il est en train de dire aux gens que la Bible n'existe pas, qu'il sache qu'il est le fils de la perdition. Qu'il est le fils de la perdition. Car sa vue n'est pas sa vue. La manière dont Georges Naman voit, ce n'est pas de la même manière que lui, Dieu, voit. Si c'est de la sorte, alors Dieu n'est plus Dieu. Si la manière dont Georges Naman pense, ce n'est pas de la même manière que Dieu pense. Ses voix ne sont pas ses voix. Alors si cela est ainsi, alors il n'est pas Dieu. La manière dont le ciel est plus élevé que la terre, c'est comme ça. Moi, Dieu, je suis élevé de vous. Avant que Georges Naman naisse, est-ce qu'il sache comment, est-ce que sa maman l'a conçu? Est-ce qu'il sait quand est-ce qu'il est né? Mais c'est sur les papiers, sur le certificat de naissance qu'il a vu que tu es né tel jour. Le jour où il va mourir, Georges Naman, est-ce qu'il le sait? Alors les démons eux-mêmes demandent pardon à Luc 8, 31. Seigneur Jésus-Christ, ne permet pas que nous ayons abîme. Et lui, rempli d'orgueil, l'orgueil de Satan l'a incarné. Si je passe par tous les moyens pour le sauver, pour le ramener, là il se chauffe encore plus. Il ne veut pas écouter. Mais Georges Naman, il y a trois sept versets qui t'attendent. Quand tu vas quitter sur cette terre, que tu le saches que dans Hébreux 9, verset que toute être qui naît doit mourir. Et après la mort vient le jugement. Connais-tu ce que signifie le jugement? Quand quelqu'un naît, il va mourir. Et après le jugement, Georges Naman, sache que les démons demandent pardon, qu'ils ne veulent pas aller en abîme, de leur permettre de rentrer dans les porceaux. Et tu adoucis le cœur des gens. Et si lui, le Seigneur Jésus-Christ, passe par tous les moyens pour le ramener, il se chauffe, devient encore plus arrogant parce que Satan l'a incarné. Que Georges Naman le sache que son nom n'est pas dans le livre de vie, qu'il a travaillé pour son père qui est Satan le diable. Il est en train de travailler pour lui. Il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Son papa est le diable. Il parle de son propre fond. Il n'est pas dans la vérité. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, lui dit qu'il n'est pas dans la vérité. Il dénonce le faux. Quand est-ce qu'il a pu dénoncer un vrai?
il dit aux gens de sortir des ennemis des faux, 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 faux. Et ça, il quitte là-bas. Est-ce qu'il a une fois dénoncé un vrai d'aller vers lui? Qui n'a qu'à le dire? Il ne va jamais le dire qu'il est comme son père. Il parle de son propre fond. Quand Satan l'a incarné, quand Satan incarne les Camerounais par l'orgueil, l'orgueil est en eux, l'orgueil est en lui. Il n'aime pas s'humilier, mais qu'il sache que trois versets latins, s'il meurt aujourd'hui, ces trois versets latins, Hébreux 12, verset 14, Marc 3, 29, et puis Matthieu 18, 2 à 6, ces trois versets l'attendent. Alors, tous ceux qui écoutent Georges Naman, qu'ils sachent qu'ils sont incarnés par le même esprit, qu'ils sont incarnés de ces démons. Si lui, Dieu, dit de donner la dîme, et lui dit de ne pas donner la dîme, si les gens veulent le ramener, il se chauffe. Il est incarné de ce démon. Les démons tremblent devant Dieu, mais ils ne craignent pas Dieu. Et ils travaillent pour Satan. Il travaille pour Satan, Georges Naman. Alors ces trois versets, l'attente, et ceux qui l'écoutent, le suivent, suivent ces émissions, ces versets, les attendent tous. Comme il est en train de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'est pas intelligent. S'il est intelligent, il ne va jamais dire que lui, Jésus-Christ, n'est pas Dieu. Il a parlé en parabole. Lui n'est pas intelligent. Qu'il sache qu'il n'est pas intelligent. L'intelligence qui reconnaît que Jésus-Christ est Dieu, il ne l'a pas. Il ne l'a pas pour comprendre les Écritures. Moi, Dieu, quand je me suis vêtu, je suis venu en tant qu'humain, venu chez Abraham, manger chez Abraham. Est-ce que j'étais un vent ou bien un arbre pour venir manger chez Abraham? J'étais venu en tant qu'être humain et je suis revenu en chair. J'ai dit aux gens que je connais Abraham, que j'étais avant que Abraham le fût. Les gens voulaient me lapider. Si je dis aux gens que j'étais Dieu, regardez ce qu'ils m'ont dit. Reconnais que je suis Dieu. Cela ne vient pas de toi. Mais sache que ceux qui le suivent, Georges Naman, s'il va se détruire et les suivants vont se détruire. Ceux qui le suivent, arrivés en enfer, ce sont eux-mêmes qui se sont amenés là-bas. S'ils meurent, si la Bible existe ou la Bible n'existe pas, ils sauront, ils les verront. Et c'est ce qu'il leur a déjà dit. Il les a déjà avertis. Je l'avertis encore qu'il ne connaît pas le jour où il est né. C'est qu'on lui a dit qu'il est né tel jour et il a cru. Et il a cru. Mais il n'était pas présent le jour où on l'a mis au monde. Alors le jour où il va encore quitter ce monde, il ne va pas connaître. Mais s'il ne connaît pas son jour, le jour où il est venu sur cette terre, il ne saura jamais à quel jour il va quitter cette terre. La manière dont il s'élève contre Dieu, il s'élève contre sa parole, il sache qu'il s'élève contre lui, Dieu. Alors ceux qui le suivent, l'écoutent, et que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu, et je suis le suivre, qu'ils continuent. Mais le jour où ils vont quitter cette terre, on va se rencontrer au carrefour. Le carrefour, le grand carrefour des états. Si l'enfer existe ou pas, si la Bible n'existe pas, ils le verront. Dans Actes 2, verset 17, le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que dans ces derniers jours, il va déverser son esprit sur toute chair? Hein? Il a dit que les jeunes filles vont prophétiser. Est-ce que lui peut combattre sa parole? Est-ce que lui peut le combattre? Et ceux qui le suivent, pleins avec l'esprit d'orgueil, ils ne vont jamais comprendre ce message. Mais ces enfants pour qui il est venu mourir, ils vont le comprendre, l'écouter. Dans Hébreux 7, si la dîme n'existe pas, on ne va pas le dire. Dans Hébreux 7, comment est-ce qu'Abraham a donné la dîme? Dans le temps des apôtres, les gens ont donné plus que la dîme. Les gens ont donné la dîme, ils ont donné leur maison, leur terre, ils ont tout donné, plus que la dîme. Et on n'a pas enseigné la dîme. Les gens ont donné plus que la dîme. Ils ont donné ce qui a dépassé la dîme. Parce qu'ils savent que tout appartient à Dieu. Que c'est Dieu qui leur a tout donné. Et ils doivent tout donner de retour à Jésus. Alors, ceux qui suivent Georges Naman, ils vont aller avec lui. Et ils vont regretter. S'ils arrivent là-bas, là, qu'ils sachent qu'il ne va plus les sauver. Qu'il ne peut pas les sauver.
que les enfants de Dieu se repentent, qu'ils quittent cette foi et qu'ils ne se perdent pas. De dire aux gens que Kumoyi l'appartient, que Kumoyi ne va jamais croire aux révélations. L'apôtre, l'évangéliste, le docteur, le pasteur, les cinq ministères qui sont dans l'église, ça ne va pas arriver à Dipalef. Kumoyi ne va jamais croire aux prophéties, il ne va jamais croire. Kumoyi va amener toutes les âmes à Satan, à lui Satan, dans l'enfer. Après sa mort, il va se demander, la prophétie existe, la révélation existe, ce qu'il faut, lui il a attrapé tout le monde, qu'est-ce qui vous arrive? Okay? C'est quoi le problème? J'ai dit Seigneur Jésus-Christ, mets le pied sur sa tête, écrase sa tête, ne lui donne pas le temps de parler. Seigneur, prends ton épée, découpe-le en morceaux. Il a dit non, il a un temps pour lui. Le temps que je lui ai donné, il va faire ce temps. Satan parlait. Le Seigneur m'a dit, va, dis à mes enfants, tous mes enfants sur la terre, que Lamentations 3, 39, je vais le lire. Écoute la voix de ton Créateur. Écoute la voix de ton Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mon Créateur. Écoute ce qu'il m'a dit de te dire. Praise the Lord. Écoute le message, la parole de ton Créateur, son Créateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Écoute sa voix. Lamentations 3, 39. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, alors tout ce que Satan te dit, ne les écoute pas. Écoute ce que je te dis. Dis à mes enfants qui sont dans le monde entier que pourquoi ils sont en vie et se plaignent ce qu'ils vont manger. Que pour se plaindre, de se plaindre pour leur péché. Pour penser qu'ils pensent de leur péché. Parce que le péché qu'ils ont mené, c'est ce péché qui va l'amener en enfer. Pourquoi l'homme vivant se plaint-il? Que chacun se plaint de ses propres péchés. Leurs propres péchés qu'ils ont commis, de dire cela à ses enfants, de leur donner cette commission. Si nous lisons Matthieu 6, verset 27 à 34, il a dit à ses enfants de ne pas se presser de ce qu'ils doivent manger, porter, mais ses enfants ne le croient plus. Ils sont inquiets. Ils sont remplis de l'esprit d'inquiétude, que tous ceux qui sont inquiets, qui vont tous aller en enfer, de leur dire ceci, de leur dire tout ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont porter, ce qu'ils vont porter comme pagne, boire, les chaussures, voiture, maison, qui leur a dit de ne pas chercher ces choses, qui prend soin des oiseaux et eux qu'il a créés à son image, ne sont-ils pas plus précieux que les oiseaux? De leur dire de ne plus être inquiets, de ne pas s'inquiéter, que ce qu'ils vont manger, il va leur donner. Le lendemain prendra soin de lui-même. De demander les richesses du ciel, la justice du ciel, toutes ces plaintes, les pagnes. Ce sont les païens qui cherchent ces choses, mais ces enfants qui cherchent le ciel, mais ils n'ont pas confiance en lui. Le Seigneur est très triste qu'ils n'ont pas confiance en lui, qui ne sont pas confiants envers lui, qui ne comptent pas sur lui, de dire à tous ses enfants dans le monde entier, Jean 14, 30, que Satan arrive, mais il n'a rien trouvé en lui. Toi qui iras au ciel, fais tout possible que tu n'aies rien qui appartient à Satan en toi. Écoute ce que le Seigneur Jésus-Christ m'envoie te dire. Fais attention que tu n'aies aucun produit de Satan en toi. Fais tout possible que tu n'aies pas de produits qui lui appartiennent. Satan lui-même aussi commence à dire, il m'a dénigré, il m'a insulté. Tout ce qu'il a mis autour de moi, alors il met l'envie, la haine de m'envier. Tout ce que Dieu a dit sur ma vie, il lui fait mal, Satan. Alors eux, les démons rentrent dans les âmes. Ils se lèvent contre Dieu. Ils deviennent comme des rebelles à l'égard de ce que Dieu a dit sur ma vie. Alléluia, Seigneur, alléluia, sois glorifié, alléluia. Seigneur, nous t'aimons, alléluia. Alléluia, 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 chers frères et sœurs, alléluia. Levons-nous, adorons le Seigneur, le roi des rois, alléluia, alléluia. C'est lui qui vit, qui règne d'éternité en éternité.
C'est ce Père que nous avons, alléluia. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, lève-toi. Il dit alléluia, 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 alléluia au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, nous t'aimons tant. 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'aime si tant. Seigneur Jésus, je t'aime tant. Seigneur Jésus, je t'aime, t'aime, t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime, t'aime. Seigneur, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons, t'aime. Seigneur, ton nom au-dessus de tout autre nom. Seigneur Jésus, nous t'aimons tant. Seigneur Jésus, nous t'aimons tant. Seigneur Jésus, nous t'aimons tant. Seigneur Jésus, je t'aime si tant. Seigneur Jésus, je t'aime 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 tant. Seigneur, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Seigneur Jésus, je t'aime tant. Seigneur, ton nom au-dessus de tout autre nom. Seigneur Jésus, je t'aime tant. Seigneur, ton nom au-dessus de tout autre nom. Seigneur Jésus, je t'aime tant. 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 Seigneur Jésus, je t'aime, alléluia. Je t'aime tant, alléluia.